Deux objectifs au SICTOM. Le premier objectif, c'était de faire des ressources de nos déchets. Et le deuxième, c'était d'éviter des noyades de camions qui partaient d'Agde, de Pézenas et qui allaient jusque dans les Yvelines. Donc, nous voulions traiter sur le territoire les déchets du territoire. C'est aujourd'hui chose faite avec trois équipements qui sont sur un même site. Le premier, c'est un ISD-ND, donc un institut de stockage des déchets non dangereux. Le second, l'unité de biostabilisation des déchets. Et le troisième, c'est la biométhanisation qui va être bientôt réalisée. Donc, objectif atteint pour le SICTOM Agde Pézenas.
Je suis rentré en 1999 en tant que reaper à la collecte, pour collecter les ordures ménagères. Puis, mon évolution, ça a été après, il y a eu le tri sélectif. Aujourd'hui, mon travail consiste à conduire. J'ai pu évoluer, il y a 5 ans, avoir un poste de chauffeur. Les conditions de travail ont pu nettement évoluer grâce au matériel, c'est-à-dire au BOM neuf. On travaille qu'avec des. À l'heure actuelle, voilà, on travaille qu'avec des camions qui sont pratiquement tout neufs. Valoriser, ça évoque chez moi et chez nous de plus vider dans un trou, de revaloriser les déchets. Dans un premier temps, aller au compostage et à l'avenir en biogaz. Et avec ces biogaz aussi, nous pourrons les revaloriser, s'en servir pour les camions. Donc c'est très innovant et très positif. J'ai pu assister au World Café il y a environ un mois. Et ce qui nous a permis de se rencontrer plusieurs sites et surtout nous apporter une solidarité, comme un esprit de solidarité. Parce que jusqu'à présent, on travaille tous, mais on ne se voit pas, on ne communique pas vraiment. Et là, ça a été le moyen de communiquer, de se voir avec plusieurs sites. Donc c'était très c'est positif, quoi. Moi, je vois de même mon métier, avec l'évolution que je puis constater, je le vois très évoluer dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, avec la modernisation, je suis très écolo aussi, donc je respecte énormément la nature. Et le métier que je fais, pour moi, est valorisant. Je suis fier de faire ce métier-là. Hein. Notre grande aventure commence par une ambition. Il y a 25 ans, Jean-Luc Petit-Huguenin a voulu transformer un métier presque artisanal, la récupération, en une industrie du 21e siècle. Le recyclage. En quoi consiste le recyclage? Chez un industriel ou chez les collectivités, il s'agit de collecter un déchet, le ramener dans une usine, puis le transformer en une nouvelle matière première. Le plastique recyclé sert ainsi à fabriquer de nouvelles bouteilles ou des jouets. L'acier et l'aluminium sont fondus pour former de l'électroménager et des carrosseries de voitures. Le carton sert à fabriquer d'autres objets ou emballages en carton. Avec plus de 8000 collaborateurs, 200 sites et plus de 10 millions de tonnes de déchets collectés et valorisés, le groupe PAPREC est aujourd'hui le leader français du recyclage et un acteur majeur de la gestion globale des déchets en France et en Suisse. Notre activité d'origine, c'est le recyclage du papier et des cartons. Nous sommes aujourd'hui numéro 1 sur ce marché en France. Nous avons élargi nos savoir-faire au plastique, aux déchets électriques et électroniques, aux déchets de chantier, aux déchets dangereux, aux ferrailles et métaux, au bois, et aux déchets verts. En fait, à tout ce qu'on peut recycler. Nos clients à l'origine sont des industriels. Ils sont désormais 45 000 à avoir signé un contrat avec notre groupe pour que nous recyclions leurs déchets. Nous offrons également nos services aux collectivités. Progressivement, nous avons connu un grand succès. 500 municipalités, soit plus de 10 millions d'habitants, nous confient déjà leurs déchets.
collecte des ordures ménagères, déchetterie, encombrants, boue, compost, tri mécanobiologique, tri de la collecte sélective. Chaque fois, les compétences des recycleurs ont permis de faire la différence. Grâce à notre cellule de vente centralisée, nous commercialisons chaque année 8 millions de tonnes de matières premières, d'abord en France, puis en Europe et à l'international. Nos sites sont tous classés et certifiés. En 20 ans, Paprec a investi plus d'un milliard d'euros dans son outil industriel pour garantir des matières de haute qualité à ses clients. Partout, à force d'innovation, nous avons bousculé les conventions et nous sommes devenus le leader en France, réalisant plus d'un milliard et demi d'euros de chiffre d'affaires avec les industriels et les collectivités. Pour tous les déchets que nous ne savons pas recycler aujourd'hui, nous maîtrisons l'autre bout de la chaîne en gérant des installations de stockage de déchets non dangereux et en fabriquant du CSR. Si l'aventure industrielle de Paprec est extraordinaire, l'aventure humaine l'est tout autant, portée par des hommes et des femmes qui ont voulu rester fidèles à leurs valeurs. Diversité, laïcité et combat contre le racisme et l'antisémitisme. À l'heure où les hommes doivent relever des défis sans précédent pour lutter contre le changement climatique, le recyclage permet de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre tout en économisant les ressources naturelles. Nous savons que nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres. Nous l'empruntons à nos enfants, alors pour les générations à venir, recyclons. Nous nous sommes rendus compte très vite qu'il a fallu aménager ce centre de tri par un tri optique puisque nous avions beaucoup d'arrêts de travail de l'ensemble du personnel. Les conditions étaient plus dures parce qu'il fallait trier toutes les résines, hein, toutes les différentes sortes d'emballages. Et là, on a bien vu que l'œil humain ne pouvait pas trier tout ça sans une technologie améliorée, sans avoir des équipements améliorés. Donc on a un trommel, un balistique, 5 tri optiques dont un pour les films, qui est une nouveauté aussi pour l'extension, un courant de Foucault pour les petits alus, puisque le site est retenu du projet CELA, et des overbands pour l'acier. Les salariés au niveau du centre de tri, maintenant, font un contrôle et non plus un tri. C'est-à-dire qu'ils ont moins de gestes de tri à faire et ils ont des conditions d'ergonomie de travail beaucoup plus facilitées et améliorées. Donc pour Givran avec une entreprise d'insertion Tripapyrus qui s'est mis à recycler d'autres plastiques de déchetterie par exemple, comme à La Roche-sur-Yon ou au Trait d'Union, une autre entreprise d'insertion qui est partie sur d'autres tris par rapport au papier bureautique, par rapport à d'autres avec du nettoyage, du lavage, de gobelets réutilisables, enfin plein d'autres pistes qui pouvaient correspondre aussi à des fonctions pour une main-d'œuvre d'insertion. On rend le geste de tri beaucoup plus facile, on le,
on le positive d'une certaine façon, c'est-à-dire en disant ben, plus de questions à se poser, on trie tous les emballages. Donc le message, ce vecteur de message a très bien passé auprès de la population. C'est assez remarquable de dire qu'aujourd'hui, on approche les 25% de plus de valorisation, de recyclage des emballages. On a baissé un peu aussi le refus de tri. Donc on peut vraiment se féliciter que cette extension de consigne de tri avec cet équipement de Vendetri, accompagné par Citeo, ait permis encore une amélioration des performances vendéennes. Un exploitant avec tous les tonnages vendéens permet de rentabiliser une exploitation et des process assez élevés, comme on a pu le voir avec des trioptiques. Donc c'est le fait de massification et de rationalisation des marchés qui a permis de faire cette économie de 2 millions d'euros sur l'exploitation annuelle en Vendée du syndicat. Donc après, ces 2 millions d'économies, effectivement, il y a les soutiens qui viennent après avec les reventes. On les redistribue à nos collectivités qui adhèrent. On l'a entendu bien avant, on dit oui, mais plus on trie, plus on pêche cher. C'est un non-sens. Et on s'est toujours battu pour dire non. On met une croix sur cet adage en disant non, plus vous trierez, plus vous serez récompensé. Et c'est le fait d'avoir un Vendetri aujourd'hui unique sur le département qui permet de faire des économies qui soient aussi demain des récompenses pour chaque concitoyen. En réalité, si Trivalis fonctionne bien, c'est que la Vendée a su se rassembler. Et ça, c'est important, quel que soit le territoire du sud, du nord, du littoral, avec le tourisme, de l'intérieur, avec une prédominante de l'industrie, etc. Tout le monde a joué le jeu et ça a permis de construire des outils extrêmement puissants. C'est toujours une opération difficile de mettre des gens d'accord, de mettre des communautés d'agglomération d'accord. Et c'est pour ça que c'est une vraie performance. Est-ce que c'est une spécificité vendéenne? Je ne l'espère pas. Puisque si on peut prendre la Vendée comme modèle pour la France entière, on franchira un cap significatif dans le recyclage des emballages, donc dans l'économie circulaire et donc dans l'amélioration de la situation de la planète. Et bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est pas compliqué si c'est bien expliqué. Aujourd'hui, un épisode à gros budget, puisque nous avons travaillé avec George Lucas. Vous reconnaîtrez d'ailleurs dans notre maquette certains éléments du dernier Star Wars. Chaque Français produit en moyenne 1 kg de déchets par jour. C'est beaucoup. C'est trop. C'est beaucoup trop. Et encore, je ne parle que des déchets ménagers. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une technique qui permet d'utiliser le gaz produit par nos déchets pour créer une énergie renouvelable. Cette énergie s'appelle... le biométhane. Alors Sacha, laisse-moi te dire que quand il se décompose, les déchets organiques produisent du gaz. Oulawashakachicha, oui. Et tu le sens bien, là, le gaz produit par la fermentation. Ouais. Alors que si je te fais sentir une boîte pleine d'emballages plastiques ou de boîtes de conserve, ça sent pas. Ah non. Mais dis-moi Romain, une question me vient de façon complètement spontanée. À part dans les poubelles de nos cuisines, où peut-on trouver des déchets organiques? Excellente question spontanée Sacha. Alors, comme tu peux le voir dans cette superbe maquette, on peut trouver plein de déchets organiques sur un territoire comme celui-ci.
On a déjà les déchets verts des collectivités, les branchages, l'herbe coupée, on a aussi les déchets de la cantine de l'école Saint-Exupéry. Qu'est-ce qui se passe, Jean-Patrick? Oui, mais oui, il a raison. Il a raison, il y a aussi la paille des agriculteurs, évidemment. On a les bouses de leurs vaches ou le crottin de leurs chevaux. On a les boues de la station d'épuration et les restes de la laiterie. Nous avons donc une belle sélection de déchets organiques. Ces déchets seront ensuite déposés à l'unité de méthanisation. C'est là qu'ils vont être brassés et chauffés à 38 degrés dans une enceinte privée d'oxygène, un digesteur, pendant plusieurs semaines. Eh bien, voilà, mon cher Sacha, il ne nous reste plus qu'à atteindre tranquillement que ça mijote. Eh oui, Romain, mais tu sais, pour une bonne méthanisation, eh ben, il faut que ça mijote bien longtemps. Et pourquoi tu fais pas l'accent du sud-ouest comme moi? Si, c'est l'accent du sud-ouest. Le sud-ouest du Québec. Ah, oui. Et pendant la fermentation, les déchets ont produit du biogaz. Absolument. Alors, ce biogaz va être épuré pour devenir ce qu'on appelle du biométhane. Le biométhane sera ensuite odorisé, c'est-à-dire qu'on va lui rajouter une odeur particulière. Comme ta chambre? Non, odorisé pour des questions de sécurité. Puis une fois qu'il aura passé tous les contrôles de qualité, eh bien, le biométhane sera injecté dans le réseau de distribution de gaz naturel. Mais ce qui reste dans la cuve? Alors, ce qui reste dans la cuve, le digesta, eh bien, on peut le donner aux agriculteurs de la région qui pourront l'épandre sur leurs champs. Ah, ça leur évitera d'avoir à utiliser des engrais chimiques. Exactement. Je vais maintenant me servir de Sacha ici présent pour vous montrer à quoi peut servir le gaz dans une maison. Pas du tout, tu vas pas du tout te servir de Sacha ici présent, c'est Sacha ici présent qui va se servir de toi. Alors, à la maison, on peut utiliser le gaz pour chauffer l'eau de la douche, merci, aussi pour faire la vaisselle, pour faire la cuisine, ou encore pour le chauffage. Tu veux ajouter quelque chose? Ah non, c'est très bien, c'est complet. On est complet, là. Mais le gaz n'est pas utilisé que dans nos maisons. Il est distribué sur tout le territoire pour faire fonctionner les usines, chauffer les écoles, chauffer les bureaux, et il peut même servir de carburant à des bus ou à des camions poubelles. En gros, on voit qu'en pensant les choses différemment à l'échelle locale, on peut créer un cercle vertueux, c'est-à-dire qu'on réutilise les déchets organiques pour créer une énergie renouvelable qui est injectée dans le réseau local. Et l'ADEME estime qu'en 2030, 10% du gaz circulant dans le réseau français sera du biométhane. Mais je te dérange pas, là. Non. Mais d'ailleurs, le fait qu'on réutilise nos déchets pour créer de l'énergie n'empêche pas qu'il faut quand même qu'on réduise notre production de déchets. J'ai pas raison? Si. Ce champ et ce véhicule. Les résidus de blé et de paille sont transformés en biogaz, le bio-GNV, le carburant de cette voiture. L'idée vient d'une petite start-up. L'objectif, créer un réseau local de production et de distribution de ce carburant écologique. Ce qui nous anime, c'est vraiment cette conviction qu'en tant que citoyen, on a aujourd'hui un devoir d'agir face à l'urgence climatique, environnementale, sociale et économique. Et il se trouve que, selon nous, cette filière bio-GNV incarne l'ensemble de ces combats. Mais attention, ne pas confondre GNV et bio-GNV. Le GNV, c'est le gaz naturel, celui qui circule dans nos tuyaux et dont on sert pour la cuisine ou le chauffage. C'est donc une énergie fossile qu'on importe de Russie ou de Norvège. Le bio-GNV, maintenant, c'est exactement la même molécule, sauf que ce gaz naturel est produit localement à partir de ressources renouvelables. C'est dans le Tarn que ce biogaz est produit par le syndicat mixte départemental de valorisation des déchets, par la méthanisation de matières organiques, un site expérimental. Ce syndicat est aussi l'un des premiers utilisateurs de ce carburant pour ses propres véhicules. Donc l'intérêt de rouler avec du bio-GNV, il est multiple. Premièrement, au niveau du véhicule, donc le véhicule est plus souple et moins bruyant. Après, au niveau économique, on est moins cher que le litre de gasoil.
Au niveau environnemental, on est neutre en émissions de CO2. On n'a plus d'émissions de particules. Plusieurs collectivités et entreprises se sont engagées à s'équiper de véhicules au bio-GNV. Ce biogaz est compatible avec les véhicules au gaz naturel déjà existants. Les premières stations-service au bio-GNV seront inaugurées en juin prochain. Alors là, tu vois, c'est la dernière version des plans et on a fait passer les pistes poids lourds sur la gauche pour la giration. Ok, en effet, ça tourne mieux comme ça. C'est bien vu. Eh ben, on valide ça. Allez, c'est parti. C'est un nouveau gisement d'emploi pérenne et non délocalisable qui émerge sur les territoires. C'est une dynamique territoriale qui va donner de l'activité aux entreprises locales. Et surtout, c'est un carburant qui est très compétitif et donc qui va participer à redonner du pouvoir d'achat aux Français. Le plus gros défi pour la start-up était de boucler le financement du projet. Et là, rien n'aurait pu se faire sans l'Europe. Avec les difficultés de lever des fonds auprès des banques françaises, on s'est tourné vers la Commission européenne qui a plusieurs mesures pour porter les projets d'innovation. Nous avons obtenu auprès de la Commission européenne une enveloppe de 4,5 millions d'euros sous forme de subventions pour cofinancer l'émergence de nos stations. C'est vraiment très enthousiasmant de porter un projet qui sert l'intérêt collectif de cette manière-là. C'est vraiment au-delà d'un projet d'entreprise, c'est une vraie cause qu'on a l'impression de défendre à travers notre projet collectif. Ce projet est soutenu par la région Occitanie qui a l'ambition de devenir la première en Europe à être à énergie positive. Mais il va aussi bien sûr se développer au niveau national. Alors notre métier aujourd'hui d'agent d'accueil, bien sûr, c'est d'accueillir les gens, d'avoir une présence sur la déchetterie régulière, être très accueillant, c'est vraiment très accueillant avec les gens, les aider à trier, les aider à pas faire de bêtises, entre guillemets, sur la déchetterie, éviter les accidents aussi, c'est notre boulot. Voilà, ce que ça représente un petit peu notre métier aujourd'hui, avec une fréquentation qui a explosé. Le tri à l'intérieur de la déchetterie, on a plusieurs bennes, donc on a une benne à ferraille, une benne à tout venant, donc tout venant ce qui n'est pas recyclable entre guillemets, une benne à carton, on a du verre, on a les papiers, on a tout ce qui est benne D3E qui permet de mettre des machines à laver, des télés usagées, des choses comme ça, une benne DMS où on met les produits dangereux, et puis après vous avez une benne à bois, une benne écomobilier qui s'est mise en place il n'y a pas très longtemps. Et voilà, et nous, notre boulot, c'est ça, c'est de les guider pour éviter de mettre un minimum de choses au tout volant. Le métier d'agent d'accueil va changer. On sera plus agent valoriste, c'est-à-dire que les choses qui se jettent généralement ou qui vont au tout volant ou qui pourraient, à la limite, être récupérées pour des personnes qui ont un manque de moyens, créer une sorte de ressourcerie sur les déchetteries, ce serait vraiment, je pense, c'est l'avenir. Ce qui devient pénible, c'est qu'on voit nous passer des téléviseurs qui ont 2 ans, des machines à laver qui ont... voilà. Et je pense que ça, franchement, faudrait le mettre en place et ça pourrait responsabiliser les gens. Au lieu de jeter, on sait qu'on vient à la déchetterie, il y a une ressourcerie, on ne met plus dans les poubelles, on ne met plus dans le... voilà. On vient à la déchetterie et c'est nickel. Beaucoup
beaucoup de gens m'ont demandé mais quel est ce projet exactement. Se faire monter, c'est un mot poli pour dire pourrir, quoi. Si demain j'en ai 200, j'amortis sur 200 ma subvention, je la sors du capital sur 200. Oui. Le véritable projet Renard, c'est de créer un lieu coopératif et culturel en circuit court qui sera organisé autour d'une ressourcerie bistrot potager. Un lieu qui permet de boire un verre, de manger un morceau. Donc si le site Tom Bézinsac d'aujourd'hui accompagne ce projet, c'est qu'on y croit. Une fois sauvés de la déchetterie, les objets prennent des chemins différents. On est assez nombreux et on est vraiment situé en tant que projet de territoire, en tant que future entreprise socialement innovante, parce que notre but c'est de rassembler, de créer un espace de rencontre entre tous ces réseaux qui se tiennent habituellement séparés. Ça fait 2 ans qu'on attend ce moment, on peut enfin dire qu'on est chez nous. Il y a encore une dernière étape avant de pouvoir ouvrir les portes, à savoir 4 à 6 mois de travaux de rénovation de cet ancien domaine viticole. On a déjà eu énormément de financement, mais il nous reste encore un trou budgétaire de 50 000 euros. Et pour cela, nous avons besoin de vos dons, petits, gros, très gros, tout ce que vous pouvez à partir de 10 euros. L'objectif, 50 000 euros en un mois. L'objectif final, ouvrir les portes à la fin 2019 grâce à vous. Merci.